I'm sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. Départ de Samana, il est midi, aujourd'hui le 25 mai, nous avons quelques heures de retard sur notre agenda, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. On a 473 000 nautiques jusqu'à Curaçao, 3 jours et 6 heures de navigation. Et à titre informatif, si on devait utiliser que le moteur pour cette navigation, on dépenserait 393 litres de carburant. Voilà, on espère qu'on ne l'utilisera pas et qu'on sera qu'à la voile. On verra bien. La prévision météo nous dit qu'il y aurait du vent de travers entre 10 à 15 nœuds. Mais bon, on se fie plus trop à la météo, c'est tellement changeant. On verra bien comment ça se passe. Taxi en direction de l'aéroport international de Samana pour déposer nos matelots. Voilà. Et nous, demain, on part vers Curaçao. Il y a une belle fenêtre météo. Et on a retrouvé notre taxi qui nous avait pris à Las Terenas la dernière fois qu'on était en République et à El Limón. On est avec Bartolo. Il est venu nous chercher à la marina. Il est super gentil, super serviable, toujours à l'heure. Et la voiture de Bartolo est très très confortable. C'est un minivan, 9 places, climatisé, très très propre. Là, il pleut en ce moment. Et c'est la saison qui commence, la saison des pluies et des orages. Say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me and you brought these bones to life. Yeah, I wanna say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. Là, 1400, le moteur réagit comme ça. Là, on est à 1400 tours. Lorsqu'on a quitté les Bahamas,
durant la traversée, nous avons dû faire face à plusieurs problèmes qu'on a pu régler seulement en arrivant à la marina de Puerto Bahia en République dominicaine. Le premier problème se situait au niveau du moteur. Lorsqu'on l'a allumé durant la traversée, on a remarqué qu'il y avait de la fumée noire, mais beaucoup de fumée noire, et qu'on ne pouvait pas accélérer au-delà de 1500 tours minute. Nous avons pensé évidemment que c'était la livraison de diesel qu'on nous a donné dans les bidons qui n'était pas pure et qui a pu encrasser nos filtres. En arrivant au port, nous avons pu changer les pré-filtres et le filtre et nettoyer le filtre à air également. On avait peur que ce soit le turbo, mais heureusement, ce n'était pas le cas. Le problème a été résolu. Le deuxième problème se situait au niveau du générateur. Lorsqu'on l'allumait, il s'éteignait au bout de 2 minutes. Après vérification et contrôle, on a remarqué que c'était le niveau de température qui était très élevé, car le refroidissement ne se faisait pas. On a donc remarqué que le vase d'expansion était fissuré et que la fuite du liquide de refroidissement se faisait par là. On a donc réparé la fuite et c'est bon. Le problème numéro 3 concerne la charge des batteries. Celle-ci était trop importante, ce qui faisait dégager une odeur d'œuf pourri dans le bateau. Le voltage des batteries montait jusqu'à 28 volts lorsqu'on était branché au quai. Et celle-ci était super chaude. Du coup, on a tout débranché, le chargeur du quai et les panneaux solaires aussi, pour éviter la surchauffe. Il va falloir qu'on étudie la façon de synchroniser le contrôleur de batterie avec la batterie et le chargeur. Le problème numéro 4, c'est la pompe d'évacuation de la salle de bain qui ne fonctionnait plus. La cause se trouvait entre le tuyau et la poignée de commande. Il y a donc un plastique au niveau du tuyau qui était craquelé, ce qui fait que l'air ne passe plus. Donc, on ne pouvait plus pomper l'eau. Pour l'instant, notre MacGyver a trouvé une belle astuce. C'est un petit tuyau qu'on active de façon manuelle pour évacuer l'eau. Il faut juste souffler dedans et le tour est joué. Jusqu'à notre arrivée à Curaçao. Nous étions prêts à quitter la marina Puerto Bahia et nous sommes venus mettre du diesel. Et malheureusement, la grue a coupé quelque part au niveau d'électricité qui donnait sur la pompe. Ce qui fait que pour l'instant on ne peut pas remplir du diesel parce qu'on attend qu'il répare la panne. Donc nous sommes en retard pour notre départ. Il va falloir être patient. Voilà, on est prêt à partir. Je vais prendre la mare d'avant. Ok, muchas gracias. Je le ferai tout à l'heure. Les filets sont bien remplis. Fruits de la passion, avocat, banane. Côté tribord, ananas, citron vert. Et dans le frigo, il y a des mangues.
des pêcheurs juste là, pas très loin. Il faut vraiment bien ouvrir les yeux pour les voir. Et là, depuis qu'on a quitté, c'est vent de face. On est au moteur, on longe les côtes. Et il y a beaucoup de houle. C'est pas très confortable. Toujours entre 13 et 15 nœuds et notre vitesse moyenne à 5,5. L'angle du vent est entre 35 et 40 degrés. C'est toujours le même rythme. On fait l'écart tous les 2 heures, chacun son tour. À 1h30 du matin, ce samedi 27 mai, nous avons pris un riz dans la GV, car le vent augmente de plus en plus. On a 22 nœuds de vent et notre vitesse en moyenne se situe à 6,5. La fin de la journée s'annonce relativement calme par rapport aux conditions météo qu'on a eues ce matin, avec des vents allant jusqu'à 29 nœuds et énormément de houle qui a duré jusqu'en milieu de l'après-midi. De 23h à 6h du matin, cette nuit de samedi à dimanche, on a eu une navigation assez musclée. Le vent a été régulier entre 19 et 22 nœuds de vent et notre vitesse se situait en moyenne à 8 nœuds, avec un angle de vent à 70 degrés. C'était parfait pour la polaire du bateau. Par contre, toujours avec de la houle, constante, mais moins forte que la journée précédente. Voilà, blowing bubbles sont là. Hein? On va se mettre sur rebouer. Ah d'accord. Prépare un ou deux moves. D'accord. Et je vais le mettre sur rebouer. Ok, super. Okay. Tu vois le kata? Tout droit. Ici, on voit tout droit. Okay, le kata bleu, il prend sa place et on va aller tout droit. Ok. I was dead inside, and you breathed into me, and you brought these bones to life.